Cela s'est déroulé ces dernières heures en Libye. Des manifestants armés ont ouvert le feu sur le port de Hariga pour essayer d'empêcher un pétrolier britannique de quitter la côte avec sa cargaison de 1 million de barils de pétrole. Image révélatrice de la crise libyenne. Un super tanker qui s'en va vers le large, vers la ligne d'horizon et sur terre, des gens qui tirent dessus autant pour faire du bruit que pour menacer les autorités libyennes qui s'obstinent à vendre du pétrole. La production nationale a chuté à 600 000 barils par jour. Il suffit de prendre une calculatrice pour constater que la production a baissé de moins 35% depuis un mois au début de la crise. Le chiffre d'une perte sèche quotidienne de 60 millions de dollars par jour était annoncé pour la Libye comme pour toute autre nation dans le monde. Ce sont là des chiffres considérables. Il avait été annoncé une réunion de concertation avec des représentants de l'Est, de l'Ouest et du Sud libyen pour aborder la question de la répartition des bénéfices de la manne pétrolière, ce qui était plutôt une bonne idée puisque c'était là le nœud névralgique du dossier. Eh bien, il ne s'est rien passé. Pas de réunion, pas de dialogue, et toujours des opérations de blocage qui se poursuivent sur les sites de production à l'intérieur du pays, mais surtout au niveau des ports sur la façade méditerranéenne. Comme cela s'est produit dans le port de Hariga ces dernières heures, et comme cela se reproduira demain autre part. Le problème de fond est politique. Tobrouk et Tripoli s'accusent mutuellement de manigancer les opérations de blocage, de perturbation, parfois même de dégradation des sites industriels pétroliers. Soyons honnêtes, il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi. Quand bien même nous nous demanderions qui a le plus intérêt à bloquer la vente de pétrole, la réponse est personne. Tout le monde y perd, sachant que les cours du pétrole sont sur une tendance haussière, ce qui n'est pas pris en plus de redescendre en raison de la guerre en Ukraine. Donc bloquer les ports, ça ne sert qu'à une seule chose, perdre de l'argent. Depuis la dernière tentative d'incursion de Fatih Bachaka à Tripoli qui a échoué, l'annonce de ce dernier qui va... Installer son administration à cirque les appels de l'Union européenne à un règlement politique. À part ces points-là, il n'y a pas d'éléments de dynamique politique qui soit clairement lisible. En début de semaine, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit que les élections sont désormais plus essentielles que jamais. Il a exhorté les parties libyennes à reprendre le processus électoral interrompu en décembre dernier. Des mots certainement sincères, certainement, mais qui en Libye aujourd'hui est capable de les entendre Ça, hélas, on ne sait pas.